Je m'appelle Rodolphe Gélis, je suis né le 7 novembre 1988 à Bar-sur-Aube. Donc je suis un produit purement champenois et je suis directeur d'exploitation du parc Nil Hollande depuis le 3 janvier 2017. Alpinablis, ça a commencé en 2009, quand en famille on a fait le premier tour de grande roue et on est arrivé tout en haut. On a vu le parc, les arbres, et on s'est dit qu'entre la grande roue et le spatial, il y avait un énorme espace où on aurait pu construire un grand manège. Donc c'était un coaster, un water coaster, d'où l'éternelle histoire, tu sais, il y aura un water coaster à Nil Hollande. Puisqu'on s'était dit ça peut être un spot pour ça. Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on faisait un petit tour de parc avec mon oncle et mon père en Allemagne, je crois. Et on avait été à Tripsdrill, on avait un coaster en bois de Gerslauer. Du coup, on a contacté Gerslauer pour nous faire un layout de coaster comme ça, de Wooden. Je l'ai toujours derrière sur mon ordi. En fait, il avait plus ou moins le même layout que l'Alpina. Il avait un énorme horseshoe, tu vois, en façade à la place du premier virage. Pour faire un petit wow effect devant. Et puis, de fil en aiguille, on a cherché ça. On a fait on avait un projet de spinning mower aussi, à l'époque. Et enfin, je crois qu'en début des années 2010, il y a eu l'ouverture du Piraton. Je ne sais pas exactement quelle année. Et en fait, ça, on a switché du mode petit parc, qui ne peut pas s'acheter de grand manège, à petit parc qui peut enfin s'acheter un moyen méga coaster, tu vois. Parce qu'on ne savait pas, et ce produit, avant que Intamin ne crée le Megalite, ça n'existait pas. C'était soit tu t'achetais... une chenille, une pomme, puis une farine. Soit tu t'achetais un Bollinger, mais il n'y avait pas entre les deux, tu vois. Donc on a été voir ce manège-là, on était subjugués par les sensations, par la taille et tout du manège. Et ce qui était aussi subjugant dans cette histoire, c'était qu'on pouvait se le payer. Je m'appelle Alexandre, je suis opérateur à Nil Hollande sur l'attraction Alpina Blitz depuis l'ouverture de la saison 2016. Je viens d'aller sur le parcours pour vérifier les rails, vérifier les boulons s'ils ne sont pas desserrés, vérifier qu'il n'y ait rien au sol, qu'il n'y a rien qui entrave le parcours. Il faut que tout soit clean. On avait une émission de télé à l'époque. C'était pas une mise en scène, on était intéressés. Mais on savait pas si on voulait le mettre ou pas. Et on s'est dit, on va tester comme ça, via l'émission, on va tester les téléspectateurs et les visiteurs, pour voir leur retour en fait. On savait qu'on allait le faire, mais on voulait transformer l'essai, tu vois. On est repassé avec des températures un peu hivernales, donc il faut qu'on les graisse chaque jour d'utilisation. Mais en été, avec la chaleur, on les graisse tous les 7 jours d'utilisation. Sinon, on risque d'avoir des, comme je disais déjà tout à l'heure, les premiers envois qu'on fait sur le parcours, les premiers tests, les envois à vide, on risque d'avoir des surprises, le train qui ne va pas assez vite et qui risque de rester bloqué sur le parcours. Il ne faut pas qu'il fasse plus de 43 secondes sur le parcours, sinon il se met en défaut, il faut qu'on appelle la maintenance. Ouais. S'il n'a pas assez d'élan, pas assez de vitesse, il ne passe pas avant le frein final, la dernière montée. Là. On a interrogé nos clients, donc on a eu un résultat qui en fait ils étaient très demandeurs d'inversion. Mais après il y a le côté fan de parc et surtout fan de coaster des Gélis qui a repris dessus, qui a dit non, un coaster c'est quand même mieux sans inversion. Mais ça c'est simplement pour la partie fan, pour la partie passionnée de l'attraction. C'est beaucoup mieux un airtime qu'une vrille. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce sujet, voilà. Non mais il faut jamais y adhérer, jamais de toute façon. Par exemple, les nouveaux produits Vekoma, ils sont top. Pourtant, il y a 10 ans, tu te serais jamais dit on va mettre un Vekoma à Nil Hollande. Donc un jour, on mettra très certainement un coaster inversion, ça c'est sûr. Comme ça, au moins, on a toujours ce petit...
cette petite envie, cette petite idée, tu vois, dans le coin de la tête. Et on se grille pas, t'as vu, parce que si tu fais un coaster à inversion, qu'est-ce que tu vas faire après? Tu fais un coaster avec plus d'inversion, avec moins d'inversion, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Ça, je vous conseille de tester les nouveaux coasters Vekoma, c'est vraiment très bien. Mais l'Alpinablis, c'est beaucoup mieux. En arrivant, avant même d'aller sur le parcours, avant les graissages, on met déjà la clé de l'attraction, histoire de démarrer un petit peu les compresseurs, les trucs comme ça. Et ben, il ne nous reste plus qu'à aller chercher le train. Il y avait un truc primordial pour Nilolan, c'était, ça a toujours été le confort et la capacité. Et on trouvait que les sièges classique, tu vois, de Mega Light ou de Mega Coaster chez Intamin n'était pas adapté, puisque tu as vu, tu as assis sur une chaise de camping déjà. Tu as une ceinture, une lap bar, tu as deux cases pour mettre tes pieds, c'est pas pratique. On avait demandé à Intamin, est-ce que vous avez un projet de nouveaux sièges, tu vois. Ils nous ont dit non, si vous achetez le manège, c'est comme ça et pas autrement. D'accord. Donc on a vu par la suite qu'avec Taron, je sais pas comment on dit, à Fantasyland, ils ont retravaillé là-dessus. Et quand, en fait, on a essayé ce manège-là et on s'est dit que ce serait génial d'avoir le train du Blue Fire sur ce parcours. Ouais. Voilà, boum, ça a fait Alpine Blitz. Mais on a toujours des bonnes relations, hein. Toujours en contact, invité, dîner avec Intamin, quand on va au IAPA, à l'EAS. Non, c'est en entente très cordiale. Je pense qu'ils se disent que c'est peut-être dommage pour eux de ne pas avoir écouté les exigences de leur prospect. Ils espèrent toujours nous vendre un manège, mais certainement qu'un jour on en achètera chez eux. Il y a deux vérins par harnais, c'est une double sécurité. Donc faut que je vérifie les deux vérins, les deux harnais. Et là seulement le train sera prêt à recevoir les visiteurs. Et donc une journée comme ça, pour information, pour le pilote, c'est à peu près 16 km de marche. Donc j'ai un compteur de pas sur moi. C'est en moyenne une bonne quinzaine de kilomètres les journées tout seul comme ça. Pourquoi un lift plutôt qu'un launch? Vous voulez que je vous le dise? Je veux que je vous réponde, je vais vous le dire. Non, pourquoi un lift plutôt qu'un launch? C'est simplement parce que il y a deux raisons. On voulait un lift pour le côté classique coaster, tu vois, parce que c'était le premier gros coaster qu'on mettait au parc. Et on voulait qu'il y ait tous les ingrédients d'un coaster traditionnel, tu vois. Tac, 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 ta petite montée à chaîne, tu sais, parce que pour les visiteurs, l'expérience est plus intrigante comme ça, tu vois. C'est une montée, c'est une mise en abîme, c'est très... Pour eux, c'est évocateur. Donc un coaster, pour nous, c'était avec un lift. Et la deuxième raison, c'est qu'il y avait aussi un surcoût, c'est... quand tu rajoutes un launch sur un métrage, c'est 30% de plus, le prix. Voilà. Donc soit on faisait un launch et on réduisait de 30% la taille du coaster, soit on faisait un lift. Les chiffres, je les ai pas en tête, mais plus ou moins, c'est Alpina Blitz, c'est plus 10% de visiteurs. L'année d'après, on est resté à un très bon niveau, au même niveau. Et après l'effet donjon, tour, tu vois, on en refait plus 10 ou 11%. Voilà. Donc sur 3-4 ans, on avait augmenté de 25% le nombre de visiteurs.
et le chiffre d'affaires encore plus. Donc c'était une très bonne opération. C'est pas pour autant que j'incite les autres parcs à le faire. L'espace, il y en a pour un prochain coaster. Il y en a dans la colline juste derrière. Il y en a au-dessus des parkings. Non, mais un coaster, tu peux le mettre un peu où tu veux. Parce que ça prend pas trop de place au sol, tu vois. Mm. Non, mais il y a toujours de la place. Il y a de la place autour du lac du Mississippi. Il y a de la place au milieu du lac du Mississippi. La question que je comprends chez Coaster World, c'est quel sera le prochain coaster au parc, et on ne le sait pas du tout. Du coup, on continue à faire comme on a toujours fait. On essaie des coasters à droite, à gauche, des nouveaux, des anciens. Et après, quand on a un coup de cœur tous ensemble, on va un peu plus se plonger sur le sujet. Quoi. Mais aujourd'hui, il n'y en a aucun qui fait l'unanimité. J'en étais sûr que tu allais me parler de ça. Lequel déjà, j'ai fait. Je sais plus son nom. Twisted Colossus, je crois c'est. Ouais, à Six Flags Magic Mountain. C'est bien. Hein. Donc ça c'est. Non, c'est terriblement efficace. J'ai essayé d'aller faire Lightning Rod. Mais bon, j'arrivais devant, c'était out of order. Les coasters de Rocky Mountains, ils ont des bons et des mauvais côtés comme plein d'autres coasters, tu sais. Tu sais pas si tu fais ta structure en bois, en acier, avec les vibrations, les desserrages, des structures. C'est beaucoup de maintenance, tout ça. Voilà. Mais après, on n'a pas approfondi le sujet avec RMC. D'ailleurs, j'ai jamais été vraiment en contact avec RMC. Je suis juste allé les faire en tant que touriste. Mais c'est des bonnes machines. C'est des très très bonnes machines.